décollage. Allez, je vais faire un plan direction de la station d'épuration pour pouvoir revenir en direction de la vanne avec un peu plus de hauteur. Je te laisse, Cam. Oui, alors dis-moi, c'est Adrien, c'est ça? Ouais, Adrien pour virage dynamique. Ok, ça marche. Ouais, bah Adrien, t'avances tout droit comme ça pour s'éloigner du relief. Un ou deux mouvements d'engage et le virage, on le fera sur la gauche, hein, bien sûr, parce que le relief l'aura à droite. Quand tu seras suffisamment éloigné du relief, tu pourras faire un petit virage à droite, très léger à droite, pour te mettre en direction du îlot. Et quand on sera au-dessus du tout, là, au-dessus de l'espace, là, on pourra faire le test 6. Ça va perdre pas mal de temps. Voilà, là on est bien. On regarde loin devant, le îlot, on commence le tangage, donc on ralentit son aile. Là on ralentit, on ralentit, on ralentit. Top out. Là on va faire un peu plus énergique, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Top out. On ralentit, on ralentit, top out. Prochain virage, là maintenant c'est les ailes gauches. Ah, trop tard. Dommage, t'as vu, du coup. T'as mis la sellette à gauche trop tard et trop doucement. Du coup, ça fait un virage qui est très lent, très mou. En fait, il faut être assez énergique. C'est pas grave, je te laisse finir ton virage à gauche, te remettre un petit peu au-dessus du dos. On en reparlera. C'est vrai que le virage dynamique, il faut être assez énergique pour que ça tourne. Parce que là, je t'ai vu tourner, mais t'as fait un petit virage. Loin devant, hein, on a le temps, on fait un beau freinage, bien appuyé. Ok, bah, du coup ouais, je t'ai fait rentrer un peu haut sur le terrain parce qu'on avait un petit peu de brise en bas, je pensais pas que t'allais aller aussi loin. Désolé, il va falloir marcher.